Yo, salut à toi derrière ton écran, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier Grand Prix de cette saison 7 avec la Renault floquée du numéro 1 Grand Prix du Brésil aujourd'hui. Grand Prix, eh bien, sur le fameux circuit à São Paulo. On va directement prendre des améliorations, des petites améliorations pour, eh bien, la R&D pour directement les avoir au Brésil, couverture chauffante et l'hydraulique pour la distribution de poids. On espère bien évidemment que ça passe et on va directement. En principe, on attendait de nouveaux développements ce week-end, mais certains d'entre eux n'ont pas été validés au contrôle qualité. Indique-nous les développements à relancer sur l'écran R&D. Plus ça coûte 530 et j'avais 524. Grosse ambiance. Alors ça, une amélioration que je fais en développé standard qui passe pas. Un peu la loose. Un peu la loose. Du coup, je vais pas pouvoir prendre une autre amélioration, mais elle va arriver quand même avant le Brésil, donc c'est plutôt cool. De pas beaucoup, hein, vraiment le jour même. On va directement prendre les pièces les moins usées pour ce Grand Prix, donc ça c'est bon. On va prendre le MGU-H numéro 3. On va prendre le système de stockage d'énergie numéro 1. Le turbo, c'est le quatrième, le moins usé. Et 51% pour l'électronique de commande numéro 3. C'est parfait, la boîte de vitesse est OK aussi. Voici à quoi ressemble le classement. Nous avons à peu près sécurisé que ce soit la cinquième place au niveau du constructeur, ou la 9e place au niveau du pilote pour eh bien, cette fin de saison. C'était l'objectif de battre McLaren. Pour l'instant, on le fait grâce à la très très belle performance à Mexique. Je vous invite à aller la voir, bien évidemment. Et nous sommes partis du coup pour eh bien, le Grand Prix du Brésil. Ok, on a l'air d'avoir de la pluie pour le Grand Prix. En vrai, ça me va. Full pluie. Full pluie pour ce Grand Prix au Brésil pour terminer cette saison 7 avec la Renault. On va aller voir directement eh bien, la R&D, à quoi ça ressemble pour cette fin de saison. On améliore très fortement avec McLaren. C'est magnifique. Red Bull et AlphaTauri qui passent devant Ferrari. On va commencer à pouvoir légitimement jouer contre les Ferrari peut-être. Et ça, c'est plutôt magnifique. La prochaine saison, l'objectif va être le titre. On va pas perdre plus de temps que ça, même si ça va être très compliqué parce qu'on sait que les Mercedes sont méga rapide. On est parti pour cette dernière séance de qualification de la saison 7. Le premier tour, c'est parti! J'espère réaliser une bonne qualification. Si possible, être le meilleur dresseur. Merde, non, je me suis trompé. Pas ça. Oh non, le tour est dégueulasse en fait. My bad. C'est moche, on va voir ce que ça donne sur la ligne. On est derrière Giovinazzi. Non, on est juste devant Giovinazzi. 5 dixièmes de Norris. Ouais. On va aller chercher au moins peut-être 7, 8 dixièmes, je pense. Il ne reste plus qu'un seul tour de carburant. Je sais pourquoi on les jambes de haut. Mais non, mais c'était même pas une remarque négative en plus. Tu l'as trop mal pris. J'ai plus de DRS! Je déteste cette Renault. Voilà. J'aime pas le jaune, j'aime pas le losange, J'aime pas Vitality, j'aime pas DP World, c'est nul Castrol. Fais chier quoi. Putain. Ben voilà, ben oui, ben forcément quoi. Regarde, ils ont tellement l'habitude de ramener les voitures dans un garage qu'ils sont déjà prêts les gosses quoi. Voilà, 1 minute 25. Ben ouais, on a que 2 tours. Les réparations de la voiture nous ont un peu retardé. Ouais. Allez, dernier tour, mon DRS fonctionne, les gars, c'est incroyable. La vie est géniale. La période prend fin dans 30 secondes. T'es pas obligé de me le dire sur le premier freinage, frérot.
Ouah, je suis allé si loin. C'est bien. J'aurais pu faire mieux, mais c'est bien. Sachant que j'ai un setup pluie en plus. P9. Et puis P1 pour Pierre et surtout P5 pour De Vries. Une 3921 alors que nous on fait une 4097. En soi on n'est pas loin. En soi on n'est pas loin. C'est cool. On n'est pas loin de Kimi. On n'est pas loin de. On n'est pas loin du top team. On n'est pas loin des top teams. C'est cool. Ça annonce du bon pour la prochaine saison. Et puis nous sommes partis du coup pour ce Grand Prix du Brésil, dernière manche de cette saison 7. La Formule 1 est de retour à Sao Paulo et tout est en place à quelques instants du départ pour un nouveau Grand Prix incroyable. C'est ici même que Sébastien Vettel a remporté son troisième titre en 2012 et que Max Verstappen nous a offert un pilotage exceptionnel sur piste humide en 2016. Interlagos propose un circuit long de 4,3 km avec 9 virages à gauche et 6 virages à droite. C'est une course adulée par les fans de F1. La pluie s'est invitée au Grand Prix, autant dire que l'adhérence et la visibilité joueront un rôle décisif aujourd'hui. Il faudra se méfier du passage tout en montée du secteur 3 qui a été le théâtre de plusieurs accidents au fil des ans. Nicolas Martin est avec nous une fois de plus pour le Grand Prix d'aujourd'hui. Bien, je pense qu'on devrait commencer par parler de Pierre Gasly. Ils ont mené une campagne extraordinaire cette année, une saison remarquable, et c'est donc en champion qu'ils entament le Grand Prix ce week-end. Je reconnais qu'ils ont réalisé une saison admirable. Cela dit, championnat ou non, ils ne se contenteront pas de franchir la ligne sans faire de bruit. Puisque les points ne sont plus un sujet d'inquiétude, ils peuvent se permettre d'adopter une démarche plus agressive. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Pierre Gasly part en pole position à l'issue d'une magnifique performance lors des qualifications d'hier et le talentueux espagnol Carlos Sainz complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, Hamilton, Ocon, Charles Leclerc et Kvyat, Raikkonen, Ford, Verstappen et Lance Stroll, Norris, Perez, George Russell et Aitken, De Vries, ils ont reçu une pénalité sur la grille. Albon, Antoine Hubert et Antonio Giovinazzi, Latifi et Nobuharu Matsushita. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Et mais il me saoule à prendre des pénalités au pire endroit, De Vries, mais à chaque fois qu'il se qualifie bien, il se prend des places, quoi. Bref, c'est pas grave, P8. P8, puis tout le long de la course, on va se mettre avec le minimum de carburant en toute logique. Du coup, double inter, normalement, pour cette course. Eh bien, au Brésil, on va tenter de faire son maximum. Normalement, le Brésil sous la pluie, je maîtrise. Ça devrait aller. Ça devrait, eh bien, bien se passer. On part 8e. On va tenter de faire, encore une fois, une très belle performance pour finir cette saison qui fut compliquée, quand même. Et puis... finir sur une bonne note pour pouvoir commencer bien cette saison 8 avec cette Renault qui s'améliore, ça fait plaisir. C'est parti. Bonjour Lance, bonjour Norris. Ça va les potes ? Dernière fois qu'on se place sur la grille pour cette saison 7. Fais attention au feu, le départ va être donné une fois la grille formée. Prépare l'embrayage. Ah dommage, j'ai pas réussi à m'infiltrer. Oh, et c'est ban. Faut avancer mon cher. Il ne te reste plus beaucoup de carburant. Passe les vitesses plus vite, ça te fera peut-être économiser plus de carburant. On va défendre directement. Kimi qui y va quand même. Kimi ne dort pas.
Clairement pas Kimi. Hein. Merci. On n'a rien gagné. Ah si, non, on n'a rien gagné, non. On a démarré P7. Ah non, on n'a pas démarré P7, on a démarré P8, pardon. Excusez-moi, on a gagné une place. C'est Kimi qui était devant. Je vais tenter de prendre au cône au freinage. La Red Bull qui devrait être moins rapide que ça. C'est bon, on prendra pas au cône au freinage, j'ai compris. Et écoutez, ça va être plutôt calme sur ce but de course. On va suivre tranquillement Leclerc et Ocon. Je sais que la course vient à peine de commencer, mais garde un œil sur le carburant. On aimerait avoir le plus d'options possible à la fin de la course. Mon but serait d'économiser le plus possible les pneus pour l'instant. Je pense pas pouvoir faire zéro arrêt, c'est ce que j'étais en train de réfléchir, parce qu'on avait déjà fait ici le zéro arrêt, c'était avec la Merco. Le problème c'est que là on n'a pas un assez bon châssis, du coup les pneus suivent bien plus vite. Ça me paraît compliqué à effectuer. On a constaté un niveau d'usure important dans le moteur à combustion interne. On va subir une perte de puissance. C'est pas preuve, Jeff. Ah, j'arrive même pas à activer le panneau, tu vois. 60%. Pas de preuve, Jeff. La piste est en train de sécher, mais il va falloir encore un petit moment avant que l'eau évacue la trajectoire. Pas la peine de penser à chausser les slicks pour l'instant. Jeff, t'es sûr de ton info là? Genre la piste sèche là, là maintenant. On manque de carburant, essaie de passer les vitesses plus tôt, ça devrait t'aider à en économiser. Bon, le collègue, il est sous crack ou comment ça se passe? Le Brésil, c'est un producteur de bœufs ou un truc comme ça? Ok, compris. Voilà, actualise-moi, frérot. On va y aller à l'instinct, hein, tu connais les bails. Bon, pour l'instant, rien ne se passe, on rentre dans le. On rentre dans le 8ème tour. Pas de dépassement ni rien, comme je l'ai dit, hein. J'économise les pneus pour l'instant, pas de patinage ni rien. J'ai toujours dans le coin de la tête le zéro arrêt, même si ça me paraît impossible. Hein. Selon le chat Twitch, je serai à 80% au 32ème tour. En vrai, le zéro arrêt peut se tenter. On réfléchit à une stratégie. Tu veux changer ou continuer à suivre le plan initial? Sauf si je bloque comme ça. Je le connais si tard. Changement de stratégie. Compris, bien sûr. Deux tours après pour les internes. On devrait rester sous cette pluie fine pendant un moment. On a tout intérêt à chausser des intermédiaires. La météo en théorie qui devrait pas bouger. J'ai vraiment envie de le tenter, ce petit zéro stop. Je fasse attention aux pneus à arrière droit, surtout dans ce virage là. Mais en soi, je pense que ça peut se tenter honnêtement. Bien, pour l'instant, je fais vraiment attention au virage à gauche là, genre ces virages là qui prennent beaucoup sur le pneu arrière droit. C'est celui qui morfle le plus. Bah, le petit train est sympa, hein. En bataille contre nous-mêmes plus qu'autre chose pour l'instant. On vient de toucher les 40% à droite. La mi-course est au 18ème tour, donc en théorie ça devrait passer. Hein. Si on n'a pas de crevaison, ça passe. On va le tenter, le zéro arrêt, ça c'est sûr et certain. On vient d'arriver à la mi-course, on est à 44% à l'arrière droit. Ça veut dire qu'on finira à... au max à 90% à l'arrière droit. Ouais, go tenter. Hein. Je vous dis, on joue plus grand chose sur le championnat. Je l'avais déjà fait avec la Mercedes, on avait fini avec 86% à l'arrière droit si je me trompe pas. Moi qui disais que le châssis était pas assez bon pour le faire, au final ce sera à peu près pareil qu'avec la Mercedes, peut-être allez 5% en plus. En max. En espérant ne pas avoir de crevaison, bien évidemment, mais ça c'est autre chose. Allez, ça commence à rentrer au stand. Leclerc, Hamilton, Fiat.
Prochain tour, on n'aura plus personne devant ni derrière. On sera en solitaire pour gérer ce pneu. On va jouer la P4 si on fait 0 arrêt, je pense. Au mieux. Allez, Esteban Ocon au centre. Agassi qui va bien évidemment ressortir devant. On améliore de 5 dixièmes notre meilleur temps en tour. Attention à pas trop prendre de rythme. C'est bizarre à dire, mais c'est vrai. Pour l'instant, on est P3. Et Lewis Hamilton est à combien de nous? À 12 secondes. Allez, 12 secondes. Un podium, peut-être le premier podium et le seul podium de la saison en vrai, hein, si jamais on se démerde bien. Mais je pense plus qu'on va jouer la P4 aujourd'hui. On va surtout espérer ne pas toucher de crevaison en fait. La crevaison qui arrive à partir de 70%. Si on touche pas de crevaison, on fait de bonnes perfs. Si on touche une crevaison, on est mort. Dernier secteur en violet, why not? Et on peut jouer un podium sur la dernière course de cette saison qui a été si compliquée. En faisant 0 arrêt, ce serait absolument magnifique. Hein. Hamilton est derrière toi. Notre avance sur la voiture de derrière est de 7,3 secondes. Ils ont de nouvelles gommes intermédiaires. Ils chaussent des gommes usées depuis 4 tours. Le dernier tour a donné 1 minute 14,6. Faut que je roule en 14-6. Ah, 14-6, il va. Non, c'est... Il va... Il va une seconde plus vite que moi, le garçon, là. C'est un peu trop. Pas moins vite, s'il te plaît, Lewis. Ouais, je vais jeter des clous sur la piste derrière. Comme ça, Lewis, il va crever. Enfin, non, je vais jeter une banane. Comme ça, il va glisser dans l'herbe. Les clous, c'est trop violent. On sait jamais. Hein. Il peut se faire mal, après. Tour 27, 64%. À l'arrière droit, on va arriver dans la zone de crevaison vers le tour 30, je pense. Peut-être 31. Lewis Hamilton est à 5 secondes, 4. Hamilton derrière. L'écart avec la voiture de derrière est de 5,5 secondes. Il chausse des pneus intermédiaires usés. Il chausse des gommes usées depuis 7 tours. Le dernier tour a donné 1,14,5. Je vais pas avoir le choix d'avancer un peu plus vite, sinon on va se faire rattraper par les 800. On va commencer à mettre un peu les watts, en espérant ne pas glisser, ne pas trop user l'arrière. Mais je vais devoir avancer un peu plus vite, sinon on va perdre le podium. 70%. J'avais dit 30 ou 31ème tour, on est au 29ème. Et on touche l'usure critique. 2 secondes 5 avec les 8 derrière. Je perds le podium pour... Que dalle, franchement, ça me ferait chier. Hamilton est derrière toi. Notre avance sur la voiture de derrière est de 2,6 secondes. Il chausse des pneus intermédiaires usés. Il chausse des gommes usées depuis 10 tours. Le dernier tour a donné 1 minute 14,3. Ah, il roule en 14,3. Faut que j'avance plus vite. Allez, voiture. Trouve le grip qui n'existe pas. Je crois en toi, peut-être. Un peu. Voilà, une 14-6, let's go. Faut que je sorte des tours comme ça tout le temps. On réfléchit à une stratégie viable que nous aimerions utiliser. Tu souhaites continuer sur ta lancée ou on change? Compris. Le collègue est en train de péter un câble, bien sûr, qu'on rentre pas. Si j'ai une crevaison, je pleure très fort par contre, sachez-le quand même. Il monte dans mon aspi, le garçon. Il ne dépassera jamais Hamilton. Contre l'envahisseur allemand, j'allais dire. Bah non, pas, il est pas allemand. Enfin, en soi, il a une voiture allemande, donc... Est-ce qu'on peut dire que c'est l'envahisseur allemand? Je sais pas, en vrai. Après, je vais être censuré par YouTube. Non, c'est l'envahisseur anglais. L'envahisseur anglais, hein. Déjà que je suis censuré par la FOM parce qu'ils croient que c'est des vraies images de F1. On va commencer à faire attention. Hein. Matsushita, décale, s'il te plaît.
Ah ouais, mais du coup, si c'est l'envahisseur allemand, les Japonais, ils aident. Écarte-toi, Matsushita, s'il te plaît. C'est pas la Deuxième Guerre mondiale, casse-toi. Merci. Par contre, Lewis, il l'a laissé passer comme si c'était un brin d'air. Hein. 80% à l'arrière. Oh non. Je sais pas où il veut me dépasser par contre. En ligne droite, ça devrait aller, je pense. On va quand même se méfier partout. Hein. Tu n'auras pas l'Alsace et la Lorraine, Lewis. C'est mort. Allez, deux tours. Dio, si tu peux t'écarter, s'il te plaît. Tu ne joues absolument rien, là, t'es 18ème. Le collègue. Eh, l'Italie est aussi... Ah, mais l'Italie est avec l'Allemagne, j'avais oublié ça. Bah ouais, elle est avec... Ok. Casse-toi. C'est bon, on a compris. La Finlande aussi, elle est avec la... Non, c'est pas Kimi qui est dans la face, ça va. C'est terrible. Le champ lexical de la Seconde Guerre mondiale ressort trop, là. L'Italie fait partie des alliés. Ah, faut que je révise. Je sais plus, de toute façon, on s'en fout. On s'en fout. Imaginez. Dernier tour. Peut-être la masterclass de la saison. Peut-être pas. Vous aurez la réponse dans moins d'une minute. Non, 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 non. Ah mon pote. C'est un non catégorique. Non, 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 non. Oula, je suis large. Non. À 7%. Pierre Gasly encore vainqueur. Carlos Sainz, meilleur temps en tour. Si je fais pas une Xerox sur la ligne, si vous avez la référence, vous êtes beau. Allez, est-ce que ça va être le podium? Le pneu crève pas, s'il te plaît. Let's go! Le podium! Ah, comment bien finir une saison? Let's go! Il a connu des hauts et des bas cette année, mais il a été incroyable aujourd'hui et mérite son nouveau titre de champion du monde. Félicitations! Nicolas Martin, quelle victoire écrasante aujourd'hui. Qu'est-ce qui lui a permis de faire la différence? Eh bien, l'écurie dispose d'une monoplace parfaitement adaptée aux conditions d'aujourd'hui. Puisque la machine offre un bon compromis sur piste mouillée, le pilote a moins de réticence à attaquer. Il peut ainsi mettre les gaz plus tôt et retarder le freinage au maximum, ce qui permet de prendre l'avantage. Mercedes est de nouveau au top après cet excellent week-end et ça fait plaisir de les revoir sur le podium. C'était osé, c'était très osé, mais je suis content que ça passe. C'est passé avec la Mercedes, ça passe avec la Renault, c'est magnifique, et on marque un podium, let's go, avec une voiture qui n'est pas du tout faite pour en faire, c'est beau. Pierre Gasly devant Carlos Sainz qui remporte le meilleur temps de la course. Nous sommes là avec 15 points, yes, let's go, alors qu'on se battait pour des P10 au début. Ça fait extrêmement plaisir. Suivent Lewis Hamilton, Kvyat, Ocon, Leclerc, Verstappen, Raikkonen, Stroll,
pour eh bien, ce top 10. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Du coup, on a forcément très fortement sécurisé la place contre Charles Leclerc au championnat pilote et contre McLaren. On a 21 points alors qu'on n'a quasiment jamais lead. Je pense qu'on a lead quoi, 3, 4 courses grand max, les 3 ou 4 dernières sur McLaren. Donc ça fait extrêmement plaisir. Fin de cette saison 7 du coup les gars. Prochaine saison, on est toujours avec Renault, on va tenter de remporter le championnat, même si je pense qu'on est très très loin. On va tenter d'aller remporter ce championnat, on va tout donner avec cette Renault. Si on peut avoir encore des améliorations assez vite, ce serait cool. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ciao ciao, bye bye. Quelle performance extraordinaire! Vous devez être très content de ce résultat. Vous avez devancé de nombreux adversaires durant la course. Encore un podium, ça devient une habitude, on dirait. Vous avez donné l'impression d'être parfaitement à l'aise sur la piste. Votre équipe doit être comblée. Selon vous, votre adversaire direct est satisfait de son résultat ? Merci pour votre temps.